Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi? Bah, je sais pas, je viens de me réveiller là. Waouh, mais qu'est-ce que je fais avec mes vêtements? Bah, je sais pas, hein, mec, c'est normal. Bah, vous, vous êtes qui d'ailleurs? Tu vas pas rester tout nu? Moi? Moi, c'est Noce, je travaille ici. T'étais qui? C'est Noce. Noce? Ah bah, excuse-moi, Ouais. enfin, je te connais pas du tout. Ouais, non, je suis bûcheron. Ça. Tu viens de Je suis rentrer là bûcheron, ça fait trois ou semaines. j'étais là allongé par terre là, je viens de me réveiller. Ouais, t'étais là allongé, je viens de te voir te réveiller d'un coup. Je dormais Waouh. dans le coin là, ici là. Ouais, bah parce que la dernière fois je me suis réfugié là, mais j'avais pas ces vêtements et j'avais des menottes. Ouais, bon, Ah ouais, merde. je t'explique pas pourquoi, hein, mais bon. Ok. Ah bah, je sais pas. Ah, pas de soucis, tu veux pas me dire. Ouais, bah je te connais pas Toi, assez, c'est quoi, quoi on ton va nom? dire. Moi, c'est Ouais, c'est normal. Mike. Mike, ok. Ouais. Et Ok, toi, encore. t'as dit comment? Moi, c'est Nos. Enfin, Nos, Nos. on m'appelle Nos. Ouais, mais. Moi, c'est Nosor. Ok. Renaud. Bah, enchanté, mec, hein. Je vais aller Ouais, dehors si ça te dérange pas. enchanté. Ah, bah, vas-y, je vais venir récupérer les affaires. Ok. Excuse-moi, mec, tu pourrais m'emmener à un endroit où je peux acheter un Ouais. téléphone, s'il te plaît, parce que j'ai perdu mon téléphone. Tu peux m'aider à faire un truc? Moi? T'as les clés là, du bureau là? Ouais. Ouais. Tu vois, j'ai des cryptos et je dois les mettre dans ma voiture. Ouais, et ok. Ah, tu veux que je t'aide à les transporter? Et à deux, c'est. Ouais, voilà, c'est à deux, ça ira plus vite. Juste les mettre dans le coffre, quoi. Ouais, Remplir ouais. le coffre, ça ira plus vite. Bah, vas-y, vas-y, vas-y. Ça te dérange pas? Ouais, non, non. Et je t'emmène à Et le patron ton est d'accord, domicile. t'es sûr? Ouais, t'inquiète, il m'a dit, y a pas de soucis, merde. Et du coup, toi, t'es quoi? T'es un sorte de vendeur et tout? Parce que bon. Ouais, voilà. Moi, je travaille aussi, tu vois, j'ai une licence de chimie que j'ai obtenue à l'université. Ouais. Et grâce à ça, j'arrive à fabriquer ça, là, ce cristal. Ah, Ce cristal, d'accord. excuse-moi. C'est un cristal, on va se le dire, c'est de la mettre, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais, ok. C'est ça. Ok, donc le patron te fait Voilà. traîner dans les Ouais, bails maintenant. chelous, quoi. Ouais, le patron fait confiance et ça s'est toujours bien passé. Ah bah tu vois, faut me le dire, parce que bon, moi je t'ai dit que je m'appelais Mike, je m'appelle pas du tout Mike. Je m'appelle Raznov. Ok. Ah, d'accord. Raznov Patrikak. D'accord. Bah, moi, je t'ai pas menti, hein. Ouais, mais tu vois, je préfère faire gaffe parce que souvent il y a des employés qui viennent ici chercher à boire et à manger, et je me dis, ouais, si c'est Ouais. pas des bonnes personnes, moi aussi le patron il me fait traîner dans des trucs, donc du coup j'ai pas envie de me faire griller, quoi. Ah, d'accord. Et là, peut-être qu'on a un projet, tu vois, on va peut-être ouvrir un club de boxe. Ouais, bah Peut-être ça va pouvoir m'aider. j'en ai entendu parler, ouais, donc du coup j'aimerais bien que le boss vienne m'en parler directement, mais. Ouais, ça a l'air Et il y a sympa, ouais. aussi le boss, il va ouvrir un club de striptease, je crois. Je crois que c'est en cours. C'est en cours. Ah ouais, lourd. Le projet a été accepté et je crois que voilà. Ah Après, si ouais. tu veux travailler avec le boss, ça va être mieux. Ah, on Mais va je vais pouvoir se partir rincer là-bas, l'œil hein, parce gratuitement, c'est que. cool. Bah ouais, c'est clair. Ouais. La dernière fois, du coup, je t'ai dit, ouais, j'étais menotté et tout. Bah, je sais pas si t'en parlais Ouais. de ce qu'on a tenté de faire, le braquage de fourgon blindé. Ah non, non, j'étais pas au courant ça. Ah, bon, bah voilà, on a fait une Faut qu'on en tentative. apprend. Malheureusement, bah, le fourgon, en fait, c'était, tu sais, toutes les recettes du commissariat. Donc, imagine un peu le petit Ah ouais. pactole, tu vois. Ah Et ouais. du coup, en fait, bah, ils étaient suivis par un hélicoptère, deux ou trois voitures de police. Enfin, c'était complètement abusé, le machin, quoi. Ah ouais, putain. Du T'as eu de coup, la on est. chance, tu t'en es bien sorti quand même, non? Bah, en fait, je me souviens pas trop de ce qui s'est passé. Ce que je me souviens, c'est que le médecin m'a réanimé. Alors, je pense que, je sais pas, j'ai dû tomber dans les vapes ou j'en sais rien. Ah ouais. Et en fait, au final, bah, je me suis enfui, quoi. Enfin, il y a eu une fusillade qui a éclaté. J'ai eu le temps de m'enfuir. Je suis retourné dans le cul, dans la série. Et bah, je sais pas, je me suis réveillé avec mes fringues et sans les menottes. Donc, bah, je pense que quelqu'un s'est occupé de moi, mais.
Ah ouais, bah je pense que toi aussi. Ah bah mais Ah c'est ouais. chelou, tu sais, Bah ça va, c'est ça comme fait si te bien manquait moi. une période de ta vie, tu vois, t'es un peu déstabilisé, quoi. Ouais, j'ai déjà vécu ça. Ouais. J'ai déjà vécu ça, mais. Bah putain, toi, en tout cas, c'est cool qu'ils te fassent tâter déjà la... Tu sais que moi, j'ai toujours pas touché à la drogue, hein, par Ah. contre, hein. Ah ouais? Ah ouais, moi, ça fait Ah bah déjà donc. 2 semaines, hein, que je suis dans le... que je suis dans le groupe. Mais ouais, toujours pas touché à ça, quoi. Bah, à vrai dire, moi je baignais dedans hein, avant d'être dans le groupe, tu vois, donc. Ah ouais, d'accord, je vois. Après, Tu du vois, coup, c'est. bah, bon, le problème, je pense que c'est t'sais, à cause de ma caméra. Ouais. Tu vois, faudrait que je coupe la caméra pour qu'il me fasse confiance, tu vois. Ah, d'accord, ok, ouais, c'est normal. Ah bah ouais, bah c'est clair que bon, j'ai pas envie que tout le monde sache où sont les points et tout ça, tu vois. Ah putain, il caille! Yo mec! Ouais, salut. Ça va? Bah ça va et toi? Ça va, ça va. J'ai réussi à m'échapper là de la police. Putain, ils m'ont. Putain, mon petit Louis. Oh là là, ça me fait plaisir de te voir, mec. Ouais, moi aussi, t'es sain et sauf, ça fait Bah plaisir. ouais, putain mec, qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Le dernier souvenir que j'ai de toi, c'est en habit bleu à côté de moi, avec les carabines et en canarde. Bah ouais, je me souviens que de ça aussi. Non, et je me souviens du moment où le mec m'a réanimé. Alors toi, je sais pas si t'as réanimé, mec, j'étais dans les vapes complètes. Là, il y a eu une fusillade et j'ai réussi à m'échapper. J'ai réussi à m'échapper Ah et je me ouais? suis caché. Ouais! Bah non, comment t'as fait pour t'échapper? Ben mec, je sais pas, j'ai pris l'adrénaline et tout. En fait, en gros, ce que je me souviens, c'est que là, tu sais, comme quand tu te réveilles en sursaut, tu vois. Je me réveille, il y a le médecin, il me fait, ouais, c'est bon, vous allez bien et tout. Là, le flic, du coup, me menotte, il me dit, tu viens dans le véhicule. Mais j'ai même pas eu le droit de soin ou quoi que ce soit. Hein. C'était, vas-y, hein, tu te démerdes. Du coup, je monte, enfin, j'allais monter dans le véhicule. Là, mec, je sais pas, il y a deux mecs qui arrivent et qui commencent à fusiller les flics. J'étais là, what the fuck? Et en fait, les flics, vu qu'ils étaient distraits, tu vois, là, je me suis dit, putain, c'est le moment ou jamais, tu vois. Sinon, je vais finir en taule. Là, c'était sûr, je finissais en taule. Donc, du coup, ben, j'ai pris mes jambes à mon cou, mec, avec les menottes dans le dos. J'ai couru jusqu'à la série. À la série, j'ai réussi à ouvrir la porte, ben, tu sais, avec mon coude. Et ben, du coup, j'ai réussi à rentrer dedans. Et je me suis réveillé, habillé. Et j'avais plus de menottes. Donc, je sais pas, Ah ouais. peut-être que le boss est Bah passé c'est par chaud là. hein, t'as bien fait en fait. Parce que moi je me suis fait prendre et le dernier souvenir que j'ai c'est comme je t'ai dit avec l'habit bleu dans le véhicule. Ouais. Et je me suis réveillé à l'hôpital en fait. J'étais à l'hôpital, les médecins à côté de moi et tout. Et voilà, ils m'ont dit tu dois attendre ici et tout. Et il y a eu un moment où qu'il était distrait, j'ai pris mes jambes à mon cou comme t'as dit. Et je suis Ah, parti bien en fait, je joué. suis parti parce que c'est... Ah ouais, c'était trop chaud. Et ça va, J'ai eu tu vas peur de me bien? faire pousser un peu la barbe. Ouais, ça va, j'ai plus rien là, mais je peux te dire, j'avais quelques balles, quoi. Ça allait passer proche de la mort, j'ai eu peur. Ça n'empêche pas que moi j'ai encore le goût, hein. J'ai encore le goût d'en choper un autre, quoi. Ça m'arrête pas, quoi. Je suis chaud. Putain, tu sais Voilà. que je me disais dans ma tête, est-ce que je suis assez fou pour retenter une expérience comme ça? Et franchement, j'étais là, ouais, si je leur dis que je veux refaire, ils vont me dire, ouais, t'es fou et tout. Mais ça fait plaisir que Ben tu non, penses pareil du coup. t'inquiète. Ah, c'est Moi, bon je suis ça. pareil, moi. Je suis Ah, plein mon gars, d'émotions, plein pareil, je suis d'émotions. chaud. Par contre, tu sais, le flic là, le Valérian là. Ouais. Ouais, vaut mieux pas que je le retrouve lui, hein, parce qu'il était dans l'arrestation. Et il m'a parlé comme un chien. Il en a bien profité, tu sais, depuis Ah que ouais. je lui ai mis le coup de batte. Le Valérien, t'inquiète pas Ouais, que moi, je vais me j'aime le pas faire trop s'il y a un souci. Valérien. Ah, mais t'inquiète, Moi, je l'aime t'inquiète. pas trop, moi non plus. Je On le la trouve. verra où tu me prendras en photo. Ah, bah non, mais je le retrouve, je l'encule. Mais quand je te dis je l'encule, c'est que l'officier Valérien, on le retrouvera plus. Moi, tu me Ah parles pas comme ouais, ça. chaud. Bonjour, chef. Eh ben alors, qu'est-ce que vous foutez toutes les deux là, dans le garage? Ah bah écoutez chef, on pensait pas que vous étiez là donc on allait essayer de rentrer mais vous savez on n'a pas les clés quoi. Pas de bécotage, hein, je veux pas voir ça ici, moi. Ah non vous inquiétez pas Non, chef, non. 100% hétéro. Ah ouais, on se racontait des trucs. Toujours en train de T'es me branler pas sur la très mer à sergent et Louis tout, à tout hein tout seul. chef. Voilà. Et tu sais très bien, patron, que ça reste entre nous autres, les bécotages, hein. Du coup,
On a une petite, petite mission à faire là, on a encore eu des appels pour livrer du matos. Ouais. Louis, toi, t'as déjà ta mission de prévue, tu sais ce que t'as à faire. Arasno, on va peut-être avoir besoin de toi. D'accord. Ça va mieux sinon toi, parce qu'on t'a croisé à la Syrie la dernière fois là. Ah, c'est vous. 10 jours d'absence là, parce que. C'est vous Ah oui, qui m'avez remis les vêtements et cassé les menottes, chef? Ah bah ouais, on t'a retrouvé en Oh. PLS là dans la Syrie. T'étais un petit peu mal au point quand même, hein. Ah bah ouais, enfin le médecin venait tout juste de me faire les premiers soins et tout, je pissais encore le sang, j'ai couru, enfin voilà, je suis désolé chef, hein, je sais pas si je vous ai mis dans la merde en revenant, mais j'avais que là où me cacher et j'ai préféré partir plutôt que d'aller en tôle, quoi. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Les flics sont doutés de rien. Il n'y avait aucune patrouille aux alentours. Ah T'as ouf. retrouvé là, bah, t'étais un peu mal au point. Hein. T'étais dans le coma, donc t'as fait une petite perfusion au whisky. Et puis voilà, ça a l'air d'aller mieux. Ah bah je peux vous dire que ça va un peu mieux, ouais. Toujours un petit peu mal aux côtes, mais ça va. Et du coup, voilà, bah encore désolé d'avoir raté la mission, hein, chef, hein. On a fait tout ce qu'on a pu, mais c'était compliqué, quoi. Ah, on m'a expliqué. Voilà. Apparemment, il y avait pas mal de policiers. C'était Ah, chaud, de ce que j'ai compris. ils avaient un hélicoptère et 3 voitures de patrouille, hein. On s'est fait accueillir, hein. Ah, on m'a expliqué ça. Voilà. Bon, du coup, bah, on va déjà passer chercher un véhicule, hein, parce Ouais. que ça va pas être évident. On va chercher un petit véhicule et puis il va falloir aller chercher une petite livraison. Voir un petit peu de quoi il s'agit quand on sera là-haut. Ok, super. Bon, et j'espère que je vais pouvoir faire mes preuves. Enfin. Ah, bah, j'espère aussi. Bonjour. Allez, la vérité, Ah. monsieur. Je me suis fait La braquer. vérité. Ah. Donnez-moi votre main. Voilà. Merci. Ah. Ça va? Eh ben, qu'est-ce qui se passe ici? Bah, il a fait un petit Ah. malaise, monsieur. Ah. Elle a sorti le pistolet, le prochain là. Je cru qu'elle allait me. Qui ça, lui Ah. là? La prochaine là. J'ai cru qu'elle allait. J'ai. Ah. Bah, elle a tiré dessus, monsieur. Ah. Oh putain. Monsieur, levez-vous. Bon. Nom de Dieu. Vous voulez Allez, je m'en discuter, sois. non? Je m'en Bon, sois. sinon vous pouvez le laisser tranquille, non? Ah, mais c'est lui qui vient de parler là. Ah. Ouais, bon, enfin bon, si vous avez sorti un gun, la personne est peut-être sensible, je sais pas, hein. Ah, il est tombé de ma poche. Oh, je suis attendu, pardon, monsieur. Excusez-moi, ça me provoque des gazements à chaque fois. C'est qui ce Oh. mec? C'est qui Excusez-moi. ce mec? Hop là. Ah. Ok, super, merci chef. J'ai pris ce qu'il me fallait. Je vous ai pris un pistolet de combat et une mitraillette si vous voulez l'inventaire. Ah, t'inquiète, y'a pas de soucis, ça marche. Ok. Ce que je vais faire, je vais te laisser aller au volant. Ouais. Alors, je vais te mettre un petit point sur le GPS, comme ça tu te perdras pas. D'accord. Parce que moi, je peux pas aller me présenter là-haut. En ce moment, l'endroit que je vais t'envoyer chercher le colis, il y a des gens qui connaissent mon visage. Il vaut mieux pas que j'y aille, donc tu vas devoir y aller tout seul. Ok. Donc tu vas simplement à ce point-là, il y a un homme qui t'attend. T'inquiète pas, ils sont prévenus de ton arrivée, il va te donner du matos et puis tu reviens ici sans problème. D'accord. Ah bah Ça ça va, marche? c'est pas trop long. Ok. Une fois que tu redémarres, tu peux envoyer ça, quand je suis sûr qu'il n'y a pas de souci. Et je t'attends ici. Ok, à tout de suite, chef. Alors là, colis pour le chef. Bon, ça va, ça a pas l'air d'être une mission à haut risque. Je pense pas que je vais passer encore le pas pour être dans le clan. C'est long quoi, ils veulent vraiment tester ma fidélité à 100%, comme vous voyez, c'est chaud quoi. C'est chaud, c'est chaud. Après, franchement, j'ai hâte hein, qu'ils me recrutent, hein, mais. Moi, je reste avec ma mitraillette. Hein. Ok. Alors, chef. Je suis au point de RTV. Personne. Normal. Ah, mais vous êtes là! Excusez-moi, bonjour. Ouais, c'est toi? Ouais, c'est moi, ouais. Je vous Qu'est-ce qui amène le arrive, toi? véhicule? Amène le véhicule, ouais. Wow, c'est qui ceux-là? Putain, j'étais là, il y a personne et tout. Trop bizarre. Moi, je suis allé au point de rendez-vous. Je vais me faire engueuler. Vas-y, sors, c'est bon. On va parler sur la scène un peu, là. Un conseil.
Baisse ton arme. Wow. Baisse ton arme. C'est quoi ce guet-apens là? C'est quoi cette merde? Baisse ton arme. Elle est baissée, elle est en mode repos. Qu'est-ce qui se passe? Non. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? Oh putain, là vous vous attaquez aux mauvaises personnes. Je sais pas si vous le savez. Donne-la-moi. Je vais te la donner, calme-toi. Voilà. Parfait. Maintenant on va parler un peu. Vous êtes trois. Ouais. Ouais, on a eu des petits différends avec ton groupe. Ton groupuscule de backer. On va te demander des informations, d'accord? Sur tes hommes, ton patron. c'est dommage, vous prenez la pire personne, hein. Je suis seulement prospect, alors savoir des informations, vous n'allez pas savoir grand chose de moi. Tu connais pas les noms de tes hommes, de tes collègues? J'en connais certains, mais certainement pas tous en tout cas. Alors, c'est les noms. Ouais. Je connais pas leur nom de famille, je connais Louis. Je connais Diego et c'est tout. Voilà. Après les autres, je sais pas leur nom de famille. Je viens de vous dire. Je sais pas. Je sais pas. Non. Par contre, je vous jure, c'est la vérité. Je ne sais pas leur nom de famille. Je ne sais vraiment pas leur nom de famille. D'accord. Ils ont quel grade dans le dans le club? Louis, c'est un mec un peu plus haut que moi. Ça doit être un soldat, je dirais. Et l'autre, c'est un des chefs. Ok. Diego, du coup, il s'appelle. Hein. T'as pas de nom de famille, t'es sûr? Non, j'ai pas de nom de famille. Non, vraiment, non. Bon. Pour les infos sur des points chauds, des points de drogue qu'il t'aurait donné. J'ai pas touché à ça, donc non. T'as pas touché à ça? Putain. Et j'ai eu vent comme quoi il y avait les bikers faisaient. Faut du trafic d'armes en masse. En tout cas, je juste. Des infos aussi par rapport à ça. Qui sera les acheter? Franchement, j'ai aucune info. Je vous ai dit, je suis le trou du cul de cette bande. Vas-y, mon cul. Ne faut pas notre putain de gueule. J'arrive pas comment. Putain, bon mais. Alors, je parle pas assez là. Mais je sais rien, je sais rien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais rien, je sais rien, je sais rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas inventer des trucs, je sais rien. Tu vas pas nous faire croire que t'as pas d'armes à main? Wow. Reste là, enculé. C'est bon, je suis là, je pars pas. Wow. Pas la peine de tirer. Les infos, là, vite. Je ne sais rien. T'as rien, là. Je ne sais rien. Tu nous sers à quoi, alors? Tu nous sers à quoi? Plan. Elle est où votre plan? Elle est en ville. Où ça en ville? C'est arrête de tourner là. C'est à la ville du Nord où il y a la Syrie, c'est ça la planque. Je suis en train de leur mytho. La Syrie? Ouais. Allez, sérieux, s'il vous plaît, laissez-moi, j'ai. Je sais rien d'autre, je sais vraiment rien d'autre. Bon. Les infos, Evie. Mais quelles infos? Quelles infos? Je viens d'être recruté. La planque, elle est où? Elle est à la Syrie dans le nord. Elle est dans le truc de la Syrie. C'est là où on a notre coffre. Un con. On m'avait dit qu'on avait une autre ville. Mais dans la ville du nord, oui. Tu me prends pour un con. Mais non, je te prends pas pour un con. Putain, je vous dis tout ce que je sais, merde. Après, s'il y en a d'autres, j'en sais rien, moi. Une question. Oh, la ferme. Tu me laisses parler, là. D'accord. Les motards, il faut quoi comme drogue? J'en ai aucune idée. Je n'ai touché à rien. Ah. Enfoiré. Plus d'infos là. J'en ai pas d'autres. Me dis pas que tu sais rien. Putain, je suis prospect. Prospect, vous savez ce que c'est? C'est même pas soldat, c'est rien du tout. Non, je sais pas ce que c'est. C'est une grosse merde qui vient d'être recrutée. Une grosse merde, voilà. Vas-y, montre-lui encore là. Montre-lui. Fais lui comprendre un peu là. Mais, putain, pas la peine d'utiliser le taser, je ne sais rien. Là. S'il m'arrive quelque chose, sachant que le boss sait où je suis parti et tout ça, il va vous arriver mais que des bricoles en fait. Ce que vous savez pas c'est que... Il est con lui.
Ah, ouais. T'as pas compris, mec, qu'on allait contre Viasmat. On le tue, on le tue, on s'en fout. Tu vois pas. Wow, wow. Tu. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Tu tiens ta vie ou tu tiens pas ta vie? Parle, allez. Tu vois pas d'inconvénient que je te plante alors? Hein? Et pourquoi tu te battrais pas à main nue, sale fils de pute, va? Ah, ça te fait plaisir, mec. Allez, arrête, arrête! Putain, qu'est-ce que je fous là? Y'a quelqu'un? Oh! Y'a quelqu'un? Bonjour, monsieur. Ah, c'est par là la sortie, d'accord. Merci. Oh. Oh, putain de merde. Wow. Salut Raznov. Salut Raznov. Eh ben alors, mon petit Raznov. Ça va mieux? Putain, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah, ce qui t'est arrivé? Bah t'as fini le test final. Voilà ce qui t'est arrivé. T'as su garder ta langue. Bon, tu t'es pris 2-3 patates, mais bon, ça fait partie du jeu. Putain! Ouah, mais c'est qui m'a éclaté la gueule comme ça? Ah, ça me dérangera Victor, hein. Il était un petit peu dur. Enfoiré. Tu m'excuseras, hein. Putain, c'était vous. Ouais, ouais. Alors moi maintenant, on connaît ta valeur, tu fais partie des nôtres pour de bon, hein. Putain, j'ai tellement eu peur, et pour moi, ils étaient morts, ces mecs-là. Tiens. Merci, mec. Pouah. Oh là là. Tu te remets tes émotions? Bah, ça me choque. C'est vrai que ça me semblait bizarre que j'arrive là-bas et que il y a un guet-apens. Je me suis dit, putain, mais... Ouais, le boss m'y envoie, c'est que c'est sûr et sécurisé, quoi. Mais bon, quand j'ai vu les armes et tout, je me suis dit, putain, c'est... Ouais, je sais pas. J'ai pas réalisé, en fait. Ah, ouais. Oh, toi, t'as là. Bien fait, t'as bien fait. Quelle bande d'enculés, les gars. T'as essayé d'un petit peu... Ouais, c'est vrai, vous aviez raison. En rachetant des informations sans importance. Donc ça va, je suis fier de toi. Bah, j'ai essayé de mytho, quoi. Enfin, quand je leur ai dit que le QG, c'était la Syrie... Enfin, j'ai essayé de me rattraper, quoi. Toi, Victor, j'ai une branlée à te mettre en échange. Hein. Est-ce qu'il repasse aussi chercher la plante? Ah putain. Bon, qui monte avec qui là? Bah, vas-y, je monte avec toi. Comme ça, au pire, je te fais tomber de moto. Putain, je suis enfin dans le clan. Normalement, je suis enfin dans le clan. Ok, je viens de demander, tu prends le casque qu'il faut, tout ce qu'il faut là. T'es, ah t'es intégré, putain, là. Yes. Fais-toi plaisir, ouais. Enfin, tu mets le même truc que moi. Ou... Ouais, ouais. Enfin, tu vois à peu près le skepsis, c'est quoi. Bon, je vais pas mettre tes converses de petite fille, mais t'inquiète pas. Ça marche. Voilà, rendez-vous à la minute. Ouais, à merci. Tout.